Par hasard. Il y a quelques années, lors d'une présentation de mon ancien team de motocross, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer le RZR d'un ami. Donc il avait ramené son Polaris sur un terrain de motocross lors de cette journée. Et là, il me dit, allez, vas-y, essaye, tu vas voir, c'est sympa, ça ressemble beaucoup à la moto. Je lui dis, je sais pas, parce qu'avec mes jambes et mon handicap, c'est un peu compliqué à rouler. Et là, il me dit, non, le RZR, c'est un véhicule qui est totalement automatique. Je dis, ok, je vais essayer. Et finalement, j'ai fait quelques tours et j'ai pris vraiment un maximum de plaisir. J'ai retrouvé des sensations très très proches de la moto. Et puis par la suite, donc je me suis mis au RZR à l'entraînement. Puis après, j'ai commencé à faire quelques compétitions en Belgique. Puis ensuite, cette année où j'ai commencé à faire le championnat de France et une épreuve du rallye tout terrain. J'ai dû adapter forcément mon véhicule avec des pédales, une pédale de frein qui est plus large et une pédale d'accélérateur où j'ai fixé un système de clip comme les pédales de vélo de route. Donc je clip en fait une chaussure sur la pédale d'accélérateur, ce qui me permet de pouvoir avoir mon pied qui est toujours en permanence sur l'accélérateur et je freine avec le pied gauche. Où là j'ai mis carrément une grosse pédale qui est très très large pour pouvoir essayer de ne pas louper le frein, parce qu'il ne faut pas oublier que finalement je ne sens pas du tout mes pieds, donc je roule complètement avec le feeling du véhicule. J'ai mis pas mal d'années à essayer de me réhabituer à ce style de conduite, on va dire. C'est complètement différent, mais finalement ça se passe bien. Je vous donne tous rendez-vous à Pont-de-Vaux fin août pour la course de SSV. Voilà, à bientôt.